Bien, eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la médiathèque protestante du Chapitre de délocalisée en Saint-Cor pour une rencontre exceptionnelle à Pignanty, puisque il est en effet assez rare que nous accueillions des écrivaines, qui plus est des écrivaines jeunes, qui plus est des écrivaines qui ont été stipendiaires, et qui plus est encore des écrivaines qui sont en lice pour un prix littéraire. Donc merci Emma d'avoir accepté notre invitation. J'ai écrit toutes mes notes au bout d'un moment, puisque je n'avais pas encore rencontré Emma, qui, quand elle est arrivée, m'a dit qu'on se tutoie. Donc, je vais essayer de jongler entre vous et lui. Ne vous inquiétez pas si ma langue fourche. Donc, tu es écrivaine, metteuse en scène, et Ce qui appartient au jour est ton premier roman, paru aux éditions d'une nuit. Et il faut le dire d'emblée, ce livre a été salué par la critique. Hein, je vais citer quelques critiques qui évoquaient ton livre. Tiphaine Savoglio dans Le Monde parle d'un roman éminemment original. Stéphane Hélès de Télérama évoque un délicat premier roman et un beau récit, tout comme Nathalie Jose-Niang, qui, dans les dernières nouvelles d'Atlas, rajoute à la délicatesse le caractère lumineux de ce texte. Donc, autant de qualificatifs qui décrivent avec justesse hein, ton roman, qui est assez court, composé en fragments, pour ainsi dire, et avec une écriture à forte puissance évocatrice. Alors, même s'il est paru depuis quelque temps, sans tout dévoiler, comment pourrais-tu résumer l'histoire de ton livre? Alors déjà, est-ce que le micro fonctionne? Tout le monde m'entend? Je suis hyper contente d'être là, merci beaucoup d'être venue et d'être là où je suis, c'est super. Alors je ne suis pas mise en scène, je suis assistante à la mise en scène, ce qui n'est pas le même métier. Et j'adore être assistante parce qu'on est assise à côté de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ensuite, je pense que je suis la pire personne pour résumer mon livre, donc ça commence très bien. Mais oui, peut-être si tu as envie d'essayer. Alors, moi je vais résumer comme ça. Une famille protestante d'origine néerlandaise installée en France compte à chaque génération au moins un ou une pasteur en ses rangs. Trois générations sont réunies dans le presbytère, le couple des grands-parents, le couple des parents, et la troisième génération a pour représentant Nicolas, qui est en train de devenir pasteur. Il est le frère de la narratrice qui, quant à elle, revient au presbytère après une longue absence. Et le fil d'Ariane de l'histoire, c'est les dérèglements de la mémoire des protagonistes masculins. Au bas, le grand-père perd la mémoire, sans que sa maladie soit identifiée. Au fil du récit, papa lui fait un burn-out, et Nicolas a un rapport différent à la mémoire, je trouve, hein, c'est pas la même chose. Voilà comment vous pourrez le résumer. Est-ce que ça te convient? C'est super, j'aurais pas dû le dire. Alors, on va passer à la page 2. En préambule de cette présentation, alors on va d'abord échanger avec Emma, puis ensuite vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez, et après encore vous faire dédicacer son livre que vous pouvez acheter chez notre partenaire en librairie Auberlin avant de vous faire signer. Voilà. Donc en préambule, ce qui me semble important de dire, hein, c'est que c'est une fiction et la narratrice qui porte tout le texte, finalement, on n'en sait rien de personnel, pas même son prénom. On ne saura jamais comment s'appelle cette jeune femme et on sait seulement ce qui va déclencher l'histoire. Elle fait du théâtre et elle revient dans sa famille après un an d'absence, donc de toute évidence, il y a une inspiration autobiographique, mais la double question, c'est quelle part de toi il y a dans ce texte et pourquoi avoir choisi la fiction? Mais ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et je pense que c'est une fausse bonne question qui a trait à notre époque, qui est vraiment centrée autour de la figure de l'auteur. Et en fait, on s'en fout finalement de savoir ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, parce que quand on écrit, il y a de toute façon un déplacement. Comme quand on fait un film, comme quand on fait même un documentaire, c'est un moment, c'est quelque chose. Donc, moi, je considère que c'est une fiction, et je tiens à ce terme, parce qu'il y a un travail d'écriture, il y a un travail de sélection, il y a des personnages que j'invente, il y a beaucoup de situations que j'invente, et je verrais ça plutôt comme un collage, où ma vie est un matériau, et je pioche un petit peu dans ma vie, et dans celle des autres, dans des scènes qui m'émeuvent, dans des films, dans plein de choses, et j'en fais un patchwork qui fait ce livre. Voilà. Alors justement, tu évoquais ce patchwork, et donc est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse, non pas thématique, mais un peu technique de ce roman, dans quel contexte tu l'as écrit et comment tu l'as écrit? Alors j'ai commencé à écrire le livre il y a 2 ans et demi maintenant, et j'étais en train d'écrire toute autre chose, j'étais en train d'écrire une pièce de théâtre sur Marie Typhoïde, voilà, qui est une figure passionnante, et mon grand-père a commencé à perdre la mémoire. Et donc ça, c'est le point de départ autobiographique. Et j'ai commencé à consigner dans mes carnets ce qui se passait entre nous, entre ce vieux monsieur et moi,
et de voir comment est-ce que l'écriture pouvait essayer de construire un nouveau monde, de transformer notre relation en quelque chose qui construise et pas qui perde. Et puis ça c'était le point de départ, et puis après je me trouvais bien seule, ce vieux monsieur, et il y a le père et le frère que j'ai rencontrés qui sont venus le soutenir, et puis après il y a eu la famille, et voilà, de fil en aiguille, cette histoire est née. Alors tu évoques là des thèmes que je vais, sur lesquels je reviendrai après, mais toujours sur la manière d'écrire. Donc l'écriture est fragmentée aussi bien au niveau du roman qu'à l'échelle du texte, les phrases sont courtes, sont ciselées. Et donc il y a trois parties qui organisent l'ouvrage, la dernière est plus courte que les deux premières, et il y a une accélération du récit à ce moment-là. Il y a plus d'action, pour le dire différemment. Mais au final, c'est, d'un point de vue de la forme, c'est le caractère court et comment tu as construit cette structure. Comment, là, vraiment dans la technique, sur le bureau de l'écrivaine, comment on construit ça? C'est une grande question parce que je n'ai pas de réponse à comment est-ce qu'on construit un livre, et surtout que c'est mon premier livre. Donc je ne savais pas du tout comment on fait un livre. Et c'est pour ça qu'il y a des lectures qui m'ont inspirée pour le fragment, notamment Olivier Rosenthal, « On n'est pas là pour disparaître », qui est un super livre sur la maladie d'Alzheimer et qui est très fragmenté. Et je me suis dit, ah mais c'est une réponse formelle à ce que j'ai envie de raconter. Donc j'ai commencé à écrire des fragments au fur et à mesure, et puis à un moment j'avais plein de scènes, parce que mon objectif c'était que ça soit comme des cartes à jouer, voilà. Que chaque carte tienne pour elle-même, et puis que je construise un espèce de château de cartes avec toutes ces cartes qui forment une histoire. Et donc j'avais plein de fragments, mais je n'avais pas de fil rouge. Et ça, c'était la grande question, c'était comment est-ce qu'on fait maintenant un roman, et il faut qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai tout mis au mur, et j'ai inventé et renforcé le personnage de Nicolas à ce moment-là. Donc c'est lui maintenant qui est le fil rouge de l'histoire, et qui amène un petit peu d'action à tout ça. Et quand j'ai envoyé le manuscrit à minuit, il n'y avait pas de partie. Donc c'était les fragments, et il y avait ce fil rouge de Nicolas qui traversait le texte. Et c'est mon éditeur, Thomas Simonet, qui est super et qui a dit pour la clarté et la lecture, on a besoin d'avoir des parties. Et donc j'ai retravaillé et là sont venues les trois parties. Voilà, donc c'est un long cheminement. Alors on va peut-être pouvoir passer à une première lecture au début du texte qui va illustrer justement ce côté... précis et court des textes, enfin des phrases, pardon, et aussi la manière dont tu rapportes les paroles, qui est un peu originale dans la manière de le transcrire. Alors, je vais lire deux passages qui sont au début du livre. Je descends le chemin escarpé menant au presbytère. Le garage, au fond de la cour, a perdu la quasi-totalité de sa peinture. Les barrières vertes sont rouillées. Les trois étages sont éteints. Quelques tuiles se sont écrasées à gauche du toit. La lumière du porche ne s'allume plus à mon passage. Je ne reconnais pas la façade mangée par le lierre sur tout le côté droit. La balançoire au fond du jardin disparaît derrière les herbes hautes et le fromental jamais coupé. Le cerisier a grandi. Le petit étang où je jouais à ramasser des têtards est rempli de vases. Je grimpe les quatre marches en béton jusqu'à l'entrée. Je serre la clé ronde entre le plat du pouce et la tranche de l'index. La porte s'ouvre. Je lève les yeux. J'aperçois, au fond du couloir étroit, la salle paroissiale au rez-de-chaussée. J'en sens l'odeur d'abord. Feu de bois mélangé à du vin premier prix. Au bout de la table, sous une icône représentant Jésus au mont des Oliviers, mes parents se tiennent les mains. Mon grand-père est installé dans son vieux fauteuil à bascule. Ses pieds emmitouflés dans des chaussettes dépareillées effleurent la moquette du salon. Le thermostat indique 25 degrés. Les yeux de Opa balancent de droite à gauche, de haut en bas. Ils essayent de s'accrocher à quelque chose. Quand j'arrive dans son champ de vision, le regard de mon grand-père se fixe. Il tend la main et dit « Enchanté de vous rencontrer, madame.
Je vous attendais. On pourrait avoir une bonne illustration du style, de ton style d'écriture. Et on voit tout de suite la qualité descriptive, hein, la manière dont tu places le décor et tu avances dans le récit. Et c'est très poétique en fait. Et on a plusieurs formules remarquables qui sont au fil du texte. Il y a un moment de récit de prière et tu écris « Je baisse les yeux vers la rivière, nos visages y flottent ». J'ai trouvé ça fabuleux. Et en termes d'écriture, là, vraiment stylistique, quelles sont tes influences? Et ça, c'est une question qui est hyper dure, je trouve. Mais je ne sais pas si vous savez quelles sont mes influences. Et moi, ça change tous les jours. Donc là, je vais vous en dire. Mais je vais vous dire le paysage littéraire du texte. Il y a Anne Poli que je cite dans le texte. Avant que j'oublie, il y a Vivre avec nos morts de Delphine Horviller, qui m'a appris à parler de religion comme on parle de raconter des histoires. Il y a Annie Ernaux, il y a Marguerite Duras, il y a Beckett pour l'absurde. Voilà, il y en a plein, et puis là en ce moment il y en a d'autres. Il y a Adrien Lafitte, que je suis en train de lire, qui est un super livre, je vous conseille, Le feu extérieur chez Corti. Enfin voilà, donc il y a plein d'influences, c'est aussi du cinéma et de tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me touche, moi, dans les écritures qui sont courtes et qui arrivent à aller en très peu de mots à quelque chose d'essentiel. Et qui ont le sens de la précision. Donc je pense que c'est peut-être ça. Voilà. Oui, ça se devine. Et genre, justement, tu le cites, parce que j'ai un certain nombre de relevés dans le texte, et donc les deux autrices que tu as citées sont les deux seules, a priori, autrices françaises qui sont citées dans le texte. Après, il y a un auteur jeunesse et peut-être un auteur néerlandais, si j'ai de mémoire. Et évidemment, tu ne cites pas n'importe quel texte de ces deux autrices. Avant que j'oublie, et Vivre avec nos morts, qui pourrait être le titre de ton. Enfin, qui pourrait être le titre de ton livre. Et donc, au-delà du côté stylistique, comment l'œuvre de ces deux autrices-là t'a influencé plus précisément? Je pense qu'on ne sait pas comment les choses nous influencent. Il y a beaucoup d'incertitudes quand on écrit et d'instincts, je pense, et de choses qui remontent à la surface par l'écriture mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est deux textes que j'ai lus pendant l'écriture. Et pendant l'écriture, j'ai aussi beaucoup écouté de musique. Et donc, il y a plein de paroles de musique dans le livre. Parce que c'était ma playlist du moment et que j'avais envie de garder la trace de ce travail-là. Et je pense que la musique et la lecture de ces deux livres-là notamment, mais d'autres, influencent d'une certaine manière le choix des mots, le rythme, la thématique, mais que tout ça c'est très souterrain. Et je pense que c'est beau que ça le soit. Je pense qu'il y a une espèce de substance de la littérature qui est insaisissable, on ne sait pas pourquoi les choses nous touchent, nous traversent et nous accompagnent. J'allais justement venir à la question de la musique, mais on peut passer à celle-là et on fermera la question des langues, puisque c'est aussi un élément important de ton texte. Donc c'est un roman qui est traversé par la musique, tu le disais à l'instant. Là encore, je fais des décomptes, mais dès la quatrième ligne, je crois, il y a une mention d'une chanson. Voilà. Et j'ai compté plus de 20 références, musique profane et religieuse confondues, même si évidemment la musique profane domine largement. Rap, musique classique, jazz, alors chansons à texte des Trente Glorieuses avec Brel, Dassin, Barbara, mais aussi contemporaine avec Gaël Faye. Ma question c'était, est-ce que tu es musicienne et quel rapport tu entretiens avec la musique? C'est une bonne question. Non, je ne suis pas musicienne, mais j'adore écouter de la musique et j'écris beaucoup en musique. Et j'écris beaucoup, d'ailleurs le premier geste se fait souvent quand je marche, et j'ai mon portable, et j'écoute de la musique, et j'ai mon dictaphone, et je pars dedans. Voilà. Et donc je pense que la musique est vraiment quotidienne dans ma pratique d'écriture. Et j'avais envie que ce livre emporte la trace, parce que c'est d'autres personnes qui disent mieux que moi à un moment quelque chose que j'avais envie de saisir. Donc pourquoi essayer de le reformuler quand ça existe déjà et que c'est beau? Et j'aime beaucoup la musique en littérature parce que ça donne déjà une bande-son au texte, une certaine... teinte le texte, en fait, une certaine couleur, et que ça accompagne la vie des personnages. Et dans le protestantisme, on joue beaucoup aussi. C'est très, voilà. Et j'avais envie de mélanger effectivement les chants religieux avec la musique actuelle, avec Jacques Brel, et que tout ça soit au même niveau. Oui, alors justement, tu as cité Brel, qui est celui qui est sur la première marche du podium avec quatre chansons différentes citées. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton lien avec Jacques Brel? Voilà, Ah bah fait que tu le dis plus que d'autres.
C'est un lien très intime et très lié à l'enfance. C'est que mon père a beaucoup chanté Jacques Brel dans des cafés quand il était étudiant. Et quand j'étais petite, on écoutait énormément de Jacques Brel dans la voiture. Et qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose quand j'écoute Jacques Brel qui me ramène à la nostalgie et à l'enfance, quoi. Mmh. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est beaucoup latent aussi, je pense. Alors, sur la question des langues, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Petit Joachim, on fait dans le bon sens. Et donc là. Donc, double culture, française et néerlandaise, au moins bilingue, voire ce qu'on imagine. Donc, c'est un atout du texte, c'est même presque un atout, c'est vraiment quelque chose qui le rend séduisant, avec ces 9 pages qu'on pourrait appeler des pages idiomatiques. Mais avant d'en venir à ce sujet-là, est-ce que le choix d'écrire en français s'est fait naturellement ou est-ce que tu as hésité ? Oui, il est venu tout à fait naturellement parce que je pense que j'habite en France depuis que j'ai 4 ans, je crois. Donc culturellement, je suis très française et la langue française est la langue de l'écrit et de l'école pour moi. Et par contre, il y a eu un moment où je me suis posé la question de ma double nationalité et de mon double langage et où j'avais envie d'essayer de trouver une réponse très personnelle et très intime dans l'écriture à mon bilinguisme. Et le néerlandais, c'est la langue pour moi de la maison, de la famille, du familier, et j'arrive à dire des choses en néerlandais que je n'arrive pas à dire en français. Et donc je me suis dit, pourquoi essayer de dire en français quand j'ai une autre langue à m'apporter pour le faire dire à des personnages. Donc il y a des mots en néerlandais dans le texte qui sont beaucoup les mots de l'intime, que je vois comme des secrets qui se tissent entre la narratrice et les hommes de la famille, beaucoup. Le grand-père étant celui qui parle le plus le néerlandais. Et ce qui m'intéressait aussi dans la double langue, c'est de voir comment, en fonction des générations, une langue maternelle évolue et se transforme, parce que c'est une famille qui habite en France. Et donc Nicolas parle presque pas néerlandais dans le texte. Je ne sais même pas s'il dit un mot en néerlandais. Il le comprend, mais il ne le parle plus. Et ça m'intéressait aussi dans les questions d'oubli, de mémoire, la question de la mémoire d'une langue maternelle et de la transformation de celle-ci. Alors sur les. Donc il y a 9 pages où tu mets en parallèle des expressions en français et en néerlandais, et tu les traduis du coup. Oui, j'ai tout compté, et donc c'est très intéressant parce que, très intéressant, faites l'exercice, vous pouvez avoir un synopsis du livre en prenant uniquement ces pages. Et on peut retrouver ce qui se passe dans le récit uniquement à partir de ces 9 pages. Alors je ne vais pas vous citer toutes les traductions, mais c'est vraiment un exercice très intéressant. Donc, d'abord, je vous dis d'abord le mot en français, je ne vous dis pas toutes les pages en entier, je vous fais le parallèle entre les deux. Donc l'expression française et puis sa traduction, enfin son équivalent, pardon, pas sa traduction, la traduction de son équivalent en néerlandais, puisque je ne parle pas néerlandais, je ne risque pas. Donc nature morte, vie silencieuse, pense bête, abus mémoire, et la plus amoureuse, nous sommes au quai Saint-Thomas, et quiconque qui est la dernière des neuf pages, un ange passe, un pasteur se promène. Ça c'est vraiment fabuleux. Et c'est tellement, je pense qu'on pourrait faire une conférence entière sur ces deux. Mais alors, comment t'es venue cette idée de faire ces pages-là ? Parce que ça vient naturellement dans le texte. Ça freine pas le récit, ça le ponctue. Mais comment on arrive à cette structure-là et à cette idée-là ? C'était un jeu. J'ai un livre chez mes parents qui regroupe toutes les expressions idiomatiques anglaises. Et je me suis dit, c'est avec leur traduction française, je me suis dit, c'est génial, et j'ai envie de faire cet exercice-là avec les expressions néerlandaises. Donc j'ai fait une énorme liste, j'ai des pages d'expressions néerlandaises que je traduis et que je trahis complètement parfois pour des questions poétiques en français. Et il y en a une qui m'a vraiment interpellée par rapport au récit, c'était celle qui dit, on pourrait dire nature morte, on pourrait dire aussi vie silencieuse, stillleben. Et pour moi, ça, c'est un peu l'essence de ce que j'essayais de faire, c'était d'écrire des vies silencieuses. Et je me suis dit, ah, mais peut-être que ça peut s'intégrer dans le texte. Donc voilà, c'est un jeu, mais comme beaucoup de choses qui se passent. Alors, on va ensuite passer, après le côté formel, aux grandes questions qui traversent le livre. Donc tu l'as dit, tu l'as déjà évoqué, et ceux qui ont lu le livre
ça, l'un des deux grands thèmes de mon point de vue, c'est la mémoire et la famille. Et en fait, c'est tellement imbriqué, c'est que c'est très difficile de les dissocier, tout ça fonctionne dans un seul et même mouvement. Donc l'histoire est située chronologiquement, il y a quelques indices de la contemporanéité de ce récit, mais l'histoire est intemporelle en fait, c'est l'histoire des familles et de la transmission. Et il y a une page du texte qui montre bien ça, puisque le récit, c'est une histoire qui est pleine d'histoire en fait, qui remonte à la surface, en tout cas à la surface de la feuille du récit, des événements évidemment fictifs ou fictionnels, mais qui construisent tout ça. Et la page 65 permet de mettre ça assez en évidence, donc je te propose de la lire. Je peux te raconter quelque chose ? Nicolas et moi sommes allongés sur mon lit, les jambes à la verticale en appui contre le Velux. Mon frère dit... Quand je ferme les yeux, je peux reconstituer l'image. Il cherche ma main avec la sienne et poursuit. J'ai 8 ans. Je suis debout, mes chaussures kickers ancrées sur le mur en béton surmonté de grilles de la cour de récréation. Il fait très chaud. C'est la kermesse de fin d'année. Mon t-shirt colle à mon torse, j'ai le nez qui coule, je l'essuie avec ma manche. Je regarde la trace de ma mort sur le tissu, j'ai envie de l'enlever. Autour de moi, des bruits de ballons contre le macadam, des caresses sur la peau toute lisse des bébés. C'est la danse des canards en grésillement dans les enceintes, la nuée rose de la machine à barbe à papa. Les enfants chahutent, ça sent les vacances et les chichis qui collent dedans. Depuis le muret, je surplombe la scène. Des cheveux de ma nuque tombent quelques gouttes de sueur. Aucun de mes camarades de classe ne me remarque. Je suis le bizarre, le sectaire, l'étranger. Je n'appartiens pas à la fête. Alors, à la relecture de ce passage, j'ai envie de poser une question que je n'avais pas... Que j'avais pas pensé au départ, mais qui vient de se reposer. C'est ça. C'est, il y a quelque chose dans le texte, et là ça ressort avec ce passage-là aussi, et il y a un autre moment assez beau, la dégustation des glaces, et où la narratrice montre qu'elle est plus... C'est quoi la position de la narratrice dans tout ça, en fait? Comment tu... Enfin, quelle est la position, voilà, on l'a au fur et à mesure de la lecture, mais... Qu'est-ce que tu as voulu signifier avec ça, cette manière de positionner la narratrice, à la fois c'est elle qui porte le récit, mais à chaque fois elle est toujours un peu en retrait, toujours un peu en retrait de ce qui se passe. Est-ce que c'est le passage à l'âge adulte? Mais comment tout ça tu l'as pensé, comment tu l'as écrit, quoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui me questionnait beaucoup et qui me questionne encore, c'était la question de la liberté. Et je crois que la narratrice, comme moi dans l'écriture, essaye de laisser sa famille libre. Et d'ailleurs, elle dit à un moment, dire à son père, qui il est ne m'appartient pas. Et je crois que cette question de la liberté, elle est hyper importante dans tout le travail que j'ai essayé de faire, et que c'est pour ça qu'elle est très très en retrait. C'est parce qu'en même temps, elle les observe, elle dit ce qui se passe, mais elle ne les raconte pas quelque part. Enfin, il y a quelque chose, et parfois, eux, ils prennent la parole et ils se racontent. Et puis, elle les laisse se taire aussi. Donc, elle est très, très en retrait, et à la fois, elle porte tout, hein, parce qu'elle est celle qui construit le présent, elle est celle qui se souvient, qui rassemble les souvenirs et qui tient le récit. Et à la fois, j'avais envie qu'elle soit en retrait pour laisser la place à la liberté et au doute. Voilà. Donc oui, je pense que c'est une position d'écriture. Après, c'est des choses qui sont instinctives aussi. Du coup, j'aurais pas dû sortir de ma grille, mais la réponse était très intéressante. Donc, donc oui, sur le si je reprends le fil, sur la manière de raconter les souvenirs, comment tu as travaillé ça? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui
qui structure le texte. Tu reviens toujours en arrière sur la narratrice, pardon, rapporte toujours des événements passés à différents moments pour différents personnages de l'histoire. Comment ça se construit? Parce que c'est un exercice, ça peut être, comment dire, ça peut être un moment dans un roman. Mais là, si Nicolas c'est le fil directeur au départ, au final, le récit des souvenirs, c'est le fil directeur de tout, et de tout roman, et c'est aussi tout le travail de la narratrice, c'est la lutte pour éviter qu'on perde ça. Et donc, comment la narratrice construit ça, et en tant qu'écrivaine, toi, comment tu l'as élaboré? En fait, pour celles et ceux qui n'ont pas lu, le récit alterne entre des moments présents et des souvenirs, mais qui souvent sont aussi racontés au présent. Donc il y a une espèce de... cette scène-là, elle est au passé, je crois. Mais il y a une espèce de présent quasi perpétuel dans le livre. Et pour moi, ça, c'était très important, parce que quand on perd la mémoire, le seul temps qui nous reste, c'est le présent. Et du coup, la narratrice raconte le présent de ces hommes, qui est ce qui existe, voilà, et ce qu'elle arrive à saisir. Et puis elle passe à des souvenirs d'enfance, et puis tout s'en mêle comme ça. Et j'ai essayé de... C'était hyper compliqué, parce qu'il faut quand même que ça soit clair à la lecture, et c'est pas facile d'imbriquer des souvenirs, des temps présents, dans un huis clos, dans du fragment, sans chapitre. Enfin, il y a tout un travail de construction narrative qui était très compliqué, et en même temps, ça s'est fait un peu... cette question de carte, voilà, que j'abattais. Donc chaque souvenir était une carte, et une carte que la narratrice abat et que j'écris pour qu'elle tienne pour elle-même. Donc c'est des tableaux, quoi. Je vois ça comme des tableaux, les souvenirs. Et voilà ce que je peux en dire. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Faut me dire, hein, si je suis pas claire. Oui, d'ailleurs, tu l'évoques à la fois dans le livre et puis... Et puis dans plusieurs entretiens que tu as donnés, il y a le jeu de mémoire à un moment, et donc il y a une mise en abyme assez intéressante sur ce jeu, cette idée des cartes et de la mémoire. Donc voilà, ça, il y a une clé de lecture qui est là aussi, qui se joue à ce moment-là du récit. Et donc sur la question de la mémoire, donc on a trois personnages qui l'incarnent de manière différente. Et la question, c'est pas tant la mémoire que la perte de mémoire. Et donc on a trois déclinaisons. Le grand-père, Opa, donc il y a une maladie liée à la vieillesse, qui n'est pas précisément décrite, mais au final, enfin précisément identifiée. Au final, c'est pas ça qui importe. Et ce qui est très touchant dans le texte, c'est le lien de la narratrice avec son grand-père, et les moments où le texte met en scène ces moments où la mémoire s'en va, et en tout cas où la narratrice essaye de raccrocher le grand-père à des souvenirs ou à la réalité. Et alors certaines sont assez... évidemment, c'est très pudique, mais en même temps, il y en a une série qui... la plus terrible, c'est celle où là encore, la musique joue un rôle important, où le grand-père exige que sa petite fille quitte la pièce, où là, il y a une tension importante. Il y en a une qui est plus douce à mère, qui moi m'a beaucoup touché, qui est page plutôt vers le milieu du récit, celle de l'anniversaire du grand-père. Et je veux bien que tu nous la lises, s'il te plaît. Avec plaisir. Derrière la salle paroissiale, on amasse des brindilles. Je déchire du vieux carton. Opa fait des boulettes de papier froissé. Mama dispose les bûches en tipi, laisse une entrée pour le petit bois. Nicolas forme un cercle de pierre autour de l'installation. Oma apporte une salade de pâtes aux tomates séchées sur le plateau de son déambulateur. Je craque une allumette, l'approche du foyer. Le feu prend. La fumée grise s'éloigne vers le ciel qui s'assombrit. Ma mère aide Opa et Oma à s'installer. Elle ajoute les coussins derrière le dos, leur tend une tasse de thé brûlant. Opa a les yeux luisants. Il frotte ses paumes
et pointe le doigt au-dessus des flammes. Kaïk, tes serveurs. Dans la salle paroissiale, la lumière blanche des néons éclaire Nicolas et papa qui s'avancent, Richelieu aux pieds, costard cravate enfilée et béret sur la tête. Mon frère s'est dessiné une moustache au-dessus de la bouche. Papa porte un ballon gonflé à l'hélium et une bouteille de champagne. Il chante « Langeleve » en s'approchant de Opa. Je crie « Joyeux anniversaire » et tire sur le canon à confetti. Opa répète « Hourra » en tapant dans ses mains. Oma tient sa tablette fermement et filme la scène. Maman dépose un baiser sur les cheveux de mon grand-père. Opa se retourne vers elle et dit « C'est l'anniversaire de qui, pour pas que j'oublie ?» Merci Laurent, ça rend super. Donc on a compris, Opa perd la mémoire. La deuxième déclinaison de la perte de mémoire dans le récit, c'est le burn-out de papa. Et qu'est-ce qu'il symbolise dans ce texte ? Il y a deux lectures, je pense, des personnages. Il y en a une qui était celle de moi quand j'étais en train de décrire, que Opa, papa et Nicolas ont une chair de personnages de roman. Et puis il y a une dimension beaucoup plus métaphorique que j'ai construite et vue après coup, en fait. Et le père, pour moi, symbolise ma question inquiète qui a trait à la société dans laquelle on vit, parce que burn-out, ça veut dire brûler jusqu'au bout. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est en train de brûler jusqu'au bout, et de plus en plus avec l'actualité en ce moment, et où tout s'effondre, quoi. Et le père s'effondre, et pour moi, c'est vraiment le personnage métaphore de ça. Et le frère, Nicolas, c'est celui qui symbolise pour moi la grande question, un peu métaphysique, qui nous dépasse tous, mais que je me pose souvent, qui est qu'est-ce qu'on fait d'un monde qui est en train de brûler jusqu'au bout ? Comment est-ce qu'on se tient les uns les autres ? Comment est-ce qu'on avance ensemble ? Et comment est-ce qu'on garde espoir ? Voilà. Alors moi, j'ai vu autre chose dans Nicolas. Parce que lui, il est trop plein de souvenirs, en fait. Il porte trop de choses. C'est comme ça que j'ai perçu. Il a plein de poids sur les épaules, dont celui de devenir pasteur. On reviendra sur le protestantisme dans le roman. Mais il a tellement de souvenirs qu'à un moment, il va même jusqu'à se remémorer des souvenirs qui n'existent pas. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et donc là, c'est la question du presque quarantenaire, pas encore boomer, mais en train de le devenir. Est-ce que la condition de la jeunesse au début du XXIe siècle, c'est d'avoir une mémoire saturée ? Ah, mais c'est une bonne lecture, mais ça c'est génial, parce qu'en fait les lecteurs sont beaucoup plus intelligents que moi. Non, c'est une super lecture. Ouais. Voilà, c'est super. Bah oui, non, mais oui, ça peut... ça peut carrément être ça. Oui. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Sujet suivant. Bravo. Alors, du coup, cette question-là, on l'a abordée tout à l'heure, donc on va rester sur les personnages, mais on va aussi évoquer la place des femmes, puisque même si les personnages qui prennent le plus de place sur le papier, on va dire en nombre de caractères, si on va compter le nombre de cibles, sont les hommes, mais le récit tient uniquement, et l'histoire de la famille tient sur les femmes, dans le moment du récit, quand on prend le début du roman jusqu'à la fin, en incluant évidemment la narratrice qui porte le récit. Et donc dans plusieurs interviews, tu as évoqué le fait que tu voulais écrire sur les vulnérabilités masculines. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme point de vue, comme volonté d'un premier roman, et surtout dans le contexte particulier de l'après-MeToo et du backlash masculiniste qui accompagne qui contre ce mouvement de libération féminine. Il y a deux, trois questions que je voulais te poser. La première, c'est page 24, tu attribues à papa, un moment dans le récit, un souvenir d'enfance, et tu lui fais dire « on s'habille et on se casse ». Est-ce que c'est un écho à Adèle Haenel, ou est-ce que c'est un oui. Oui, non. D'accord. Enfin, Adèle Haenel est bien présente dans le texte. Elle est bien cachée là. Il y a des petits hommages secrets. C'est ça. D'accord. Donc je ne me suis pas complètement trompé en voyant ça.
Et donc, mais malgré, donc, là, on a une, comment dire, un indice clair de ton positionnement par rapport à ce débat. Et mais néanmoins, le texte, c'est un contre-pied, puisque le roman donne, enfin, montre la place des hommes. Et c'est eux qui occupent donc la plus grande place dans le texte, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas choisi un récit où ce sont les femmes qui occupent le plus de place, mais qu'en même temps, tu participes de tout ce mouvement? C'est une question qui est hyper complexe, je pense, et qui est hyper intéressante. Et je crois qu'en littérature, en ce moment, il y a beaucoup de récits de femmes qui parlent de femmes et qui leur donnent enfin une place. Et je suis hyper contente, et c'est très important et très joyeux. Et dans ce féminisme-là, moi, j'avais envie de prendre pas le contre-pied, mais d'explorer autre chose qui n'est pas moins féministe, en fait. Qui est de voir aussi la vulnérabilité des hommes. Et de mettre ça, d'explorer ça, parce que je pense que ça fait partie aussi de la libération et de l'égalité. Et en même temps, de donner une grande place aux femmes dans ce livre, parce que c'est un hommage aussi à celles qui prennent soin, parce que c'est souvent des métiers féminins, et de montrer des femmes qui sont en négatif des hommes. Donc les hommes s'effondrent et les femmes tiennent debout. Voilà, et pour moi, c'était hyper important de leur donner une place qui soit, certes, dans l'ombre au premier abord, mais qui soit la place des veilleuses et de celles qui tiennent et qui sont vivantes et qui sont debout. Et c'est d'ailleurs, c'est elles qui sont le relais des histoires. Oui, voilà. Mais justement, moi, j'ai vu le texte aussi comme une illustration de la charge mentale, et c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est tous les deux des aidantes, Oma et Mama. Et en plus, tout à l'heure, l'un des extraits que tu as cité, Oma est aidante alors qu'elle a un déambulateur. Je veux dire, c'est vraiment un sujet très d'actualité. Et donc, qu'est-ce que tu as voulu dire justement de ces femmes des générations qui sont et la mère et la grand-mère de la narratrice dans le contexte actuel? Je pense que je ne suis pas allée jusqu'à là dans la réflexion. Enfin, pour vraiment répondre très très honnêtement, j'avais envie de leur donner cette place-là qui tient, et j'avais envie de parler des hommes, et puis après c'est ça qui est ressorti. Mais je pense que quand on écrit, on est perméable à tout ce qui se passe autour de nous, et à tous les combats, et à la société telle qu'elle est. Donc il y a ça qui agit dans le texte, un peu malgré moi, quoi. Mais non, c'est important pour moi que... de montrer déjà que Oba et Oma sont amoureux encore et qu'ils se supportent et qu'ils se tiennent, et que ça, c'est important, l'amour dans toutes ses formes, que ce soit filial, voilà, romantique et tout ça. Ouais, et de montrer une grand-mère qui sait se servir des réseaux sociaux, enfin qui... je sais pas, voilà, mais c'est pas une réflexion que j'ai eue à l'écriture en tout cas. Et je pense que ça va avec le fait que j'ai pas du tout cherché à psychologiser les personnages. À aucun moment j'ai fait des fiches personnages. Enfin, pour moi, c'est vraiment des figures plus que des personnages. Et c'est de l'ordre de la fable, quoi. Oui. Il y a un truc qui est loin aussi du réel. C'est un huis clos, c'est une espèce d'île où il y a des fantômes, comme ça, et voilà. Je sais pas si c'est... Oui, non, mais tout à fait, mais ça rejoint une partie de mes notes. Moi, j'ai vu Oma comme celle qui porte comme la mère nourricière, qu'à chaque fois, elle apporte à manger. Et Mama, c'est celle qui apporte la parole. Parce qu'elle apporte les dictionnaires à Nicolas quand il essaie d'écrire une publication. Et puis celle qui donne le titre du livre avec ce post-it qui traîne. Et que, voilà. Et donc, il y a là, enfin, deux figures féminines qui ont une fonction de veilleuse, enfin, mais plus que, enfin, plus que veiller, quoi. Elles portent, elles soutiennent. Je l'ai lu comme ça, en tous les cas. Alors on pourrait poursuivre. On a évoqué la dépendance. Et bien, on va passer au protestantisme, hein, parce que quand même, on est au Saint-Thomas. Hein, c'est pour ça, c'est ça qui est aussi un des gestes forts de ce premier roman. Il y a la mise en lumière par la littérature de la situation du protestantisme contemporain. Alors, vous l'avez vu dans. Si vous allez en librairie chez nos amis de Berlin, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, le protestantisme en littérature, on le trouve principalement au prisme de l'histoire, avec l'utilisation de grands moments comme source de fiction.
comme Gérard Morbillard récemment avec La guerre des paysans, mais au contraire, avec ton roman, c'est une mise en lumière du quotidien actuel d'un certain protestantisme historique, via les personnages de Mama, principalement de Nicolas, mais aussi de Oba. On ne va pas revenir sur le personnage qui m'a volé non plus. Bref, mais on retrouve au fil du récit des éléments qui vont sembler évidents à une grande partie de l'Assemblée de ce soir, mais qui ont dû paraître exotiques à un certain nombre d'électeurs et électrices, je pense. Et donc, par ordre d'apparition, je vais vous faire une petite liste. Vous avez compris que j'aime beaucoup les listes. Donc, toutes les choses que là vous allez entendre vont vous sembler évidentes, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça a été une surprise complète et totale. Donc, l'école du dimanche, la cruche des 500 ans de la Réforme, les brouillons de prédication, le conseil presbytéral, la robe pastorale et le culte d'essai, la croix lunote, l'étude publique, le pliage des liturgies du culte de Noël, le stage de l'aumônerie et la lecture de la Bible au petit déjeuner, et je pense que j'en ai oublié, mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, parce que donc, ça c'est une énumération, mais j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ce qui pour moi est presque un personnage du roman, c'est le presbytère, que tu écris toujours avec une majuscule. Alors je me doute bien que sur les panneaux d'indication, on doit toujours avoir une majuscule à presbytère, mais en lui attribuant cette majuscule, il a presque un statut de personnage. Et est-ce que c'est voulu et comment tu l'as. Qu'est-ce que tu as voulu porter avec ce presque 7e personnage, du coup, si on comprend bien. Oui, mais tu es un super lecteur, mais oui, c'est voulu. C'est le 7e personnage du roman, on l'a trouvé. Oui, en fait, j'avais très envie de parler de protestantisme parce que c'est un sujet qui est totalement absent de la littérature contemporaine. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai vraiment pas tout lu, donc peut-être qu'il y a d'autres gens qui en parlent. Mais du coup, j'avais envie d'aborder cette question-là et le protestantisme en particulier. Mais je n'avais pas du tout envie de faire un roman religieux. Et je n'avais pas du tout envie d'être qualifiée de roman religieux. Donc je me suis dit, comment est-ce que je m'y prends pour parler de protestantisme sans en faire le sujet du roman? Parce que pour moi, ce n'est pas le sujet du roman. Et je me suis dit, je vais en faire un personnage. Voilà, et donc pour moi, le presbytère, c'est vraiment le 7e personnage. Et la religion, j'ai essayé dans le travail de l'aborder par le biais géographique, donc par le presbytère et le temple, qui sont très présents, et d'en faire quelque chose de sensible et de quotidien. Oui. D'accord, donc ça va. Je vais poursuivre sur mes questions, mais on va dérouler le thème. Donc, effectivement, c'est à la fois personnage, sa partition du corps, aux accessoires, et puis en termes cinématographiques, si on parlait en termes cinématographiques, mais il y a aussi des éléments qui sont plus sociologiques, qui, sans en avoir l'air, mais ça participe de cette description que tu viens de décrire sur la situation du protestantisme contemporain. Évidemment, ça va parler à une partie des gens dans la salle, mais les quelques têtes blanches présentes au culte. Et puis, ce matin, au culte, les 20 rangées de bancs de bois résineux sont vides. Et donc, quelle image tu as voulu transmettre du protestantisme et comment tu... Voilà. C'est la question un peu touchy de la conversation. Ah, je sens que c'est tout le monde m'attend. Non, mais... c'est pas tant une image du protestantisme que... une question que je pose, je ne cherche pas à répondre, mais sur l'état de nos histoires collectives. Parce que pour moi, le protestantisme et la religion en général, c'est des endroits où on se raconte des histoires et où on croit collectivement en quelque chose. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être autre chose. Et là, dans l'état actuel des situations, c'est la situation du monde, on est en train de perdre ça, et nos mythes, et notre attention collective aux histoires. Et du coup, c'est la question de qu'est-ce qui va nous relier maintenant. Et puis, il y a aussi un constat qui est vraiment, pour le coup, très réel, qui est qu'il y a une grande crise du protestantisme et des vocations, et qu'on est à la fin d'un système. Voilà. Mais ça peut être un système religieux, comme politique, comme sociétal. Alors, justement, Non, c'est un des sujets du livre aussi, et c'est ça aussi qui fait son intérêt, je trouve. Et alors tu viens de le dire, mais je vais prolonger la question. Réussir, parce que finalement, donc, comme tu le disais au départ dans ton écriture, c'est Nicolas qui faisait le fil directeur du roman. Et donc la narratrice revient et retrouve ce frère qui est en train de devenir pasteur, mais qui se pose plein de questions, qui ne cesse de s'interroger.
Il y a des formules très belles sur ce que c'est être pasteur, mais je vous laisse un peu de questions, quand même, que vous ayez des choses à interroger dans la seconde partie de la soirée. Je vais bientôt arrêter de parler en soirée. Mais qu'est-ce qui a motivé chez toi l'évocation de ce sujet quand même très particulier, de la crise des vocations pastorales? Parce que c'est quand même un sujet, et réussir à en faire un objet littéraire aussi délicat et en même temps évocateur, c'est un sacré tour de force, quoi. Donc comment tu en es arrivé à te saisir de ce sujet-là? C'est venu au fur et à mesure. Bah, comme je le disais, c'est que j'avais le presbytère comme septième personnage du livre, et puis j'avais le père qui était pasteur au début, et puis après j'ai fait du grand-père un pasteur, je me suis dit pourquoi pas, et donc dans la logique des choses, le fils devenait pasteur aussi. Et c'était au moment où je cherchais mon fil rouge et où je ne savais pas comment faire histoire et comment faire événement. Parce que ça, c'est, je crois que pour moi, c'est le plus compliqué dans la construction d'un roman, c'est qu'il faut un moment qu'il se passe quelque chose. Et alors, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, quand on parle d'oubli, quand on parle de perte de mémoire, quand on est dans ces sujets métaphysiques aussi, là, et il y avait déjà tout le contexte religieux, la géographie religieuse, je me suis dit, mais est-ce que Nicolas, c'est pas celui qui est un peu le personnage de mon âge, à qui je pourrais m'identifier, et qui est celui qui a tracé un chemin et qui maintenant doute et ne sait plus comment continuer, et qu'est-ce qui fait sens en fait? Donc c'est pas toute la partie religieuse, c'est une partie qu'on peut lire à la fois comme très concrète de « il va devenir pasteur », mais pour moi ça a un sens beaucoup plus large de... à 24 ans, 25 ans, comment est-ce qu'on sait ce qui fait sens et comment est-ce qu'on choisit d'y aller ou pas? Voilà. Et encore plus quand on est tenté par un métier dont plus personne ne se souvient et qui est en train de disparaître. Voilà. Donc c'était la question du doute. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que c'est hyper rigolo comment un récit se construit sur un récit, et comme on y est beaucoup... dans les lectures là, de vous, quoi, que c'est un récit très lumineux et tout ça, mais c'est pas que ça pour moi. Ça peut aussi être lu d'un autre œil complètement, et comme un récit très sombre, et parce qu'il y a du doute, c'est un espèce de huis clos d'une île qui est en train de sombrer, de disparaître, il y a tout ça aussi. Et comment est-ce que ça et la lumière contrebalancent et forment un équilibre, quoi. Tu es une excellente conférencière, puisque la dernière question c'était le doute, donc tu viens d'y répondre. Donc je pense que je vais arrêter de monopoliser la parole et vous la laisser pour que vous puissiez poser des questions par rapport à si vous le souhaitez. Voilà, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, il n'hésite pas. Mais allez-y, j'attends les questions. C'est le moment. Est-ce que l'ouvrage va être traduit en anglais? Oui. Et ça pose d'ailleurs des grands problèmes de traduction. Comment est-ce que ça? Mais alors, du coup, est-ce que ce serait toi qui es le droit de traduire? Ah non. Non. Heureusement. Non, mais justement, c'est aussi une question qui peut se poser. Ouais, mais je. Non. Ce serait une très mauvaise traduction, je pense. Super question. Je pense que Nicolas, c'est... Donc la question c'était comment est-ce que j'ai écrit cet amour fraternel, en fait. Nicolas, c'est un espèce d'assemblage de plein de gens que j'aime, en fait. Voilà. Et je pense que dans la fiction, on comble aussi les manques du réel.
et que je me suis inventé un frère qui est Nicolas dans le livre. Et j'ai piqué et picoré de plein de relations que j'ai avec des amis avec, voilà, et de plein d'amour que je connais dans la vie. Et j'ai créé Nicolas. Voilà, et c'est un peu, c'est ça qui est super quand on écrit, c'est qu'on peut tout faire. Et il y a un peu cette relation idéale frère-sœur que j'avais envie d'écrire, quoi. Très noble de ce livre, hein, c'est le silence. Et ce silence qui vient s'intercaler entre chacun des tableaux. Donc, la grande richesse, je trouve, c'est ce qui n'est pas dit aussi dans ce livre. Et qui alors transparaît dans le regard de la narratrice, qui d'une certaine manière nous l'offre, ce qu'elle voit. Et nous laisse aussi pensifs devant ces scènes de la vie quotidienne. Voilà ce que je voulais souligner, ce n'est pas vraiment une question. Ce qui m'a frappée par ailleurs, et c'est, je trouve, la qualité d'un très grand livre, que, d'offrir plusieurs tons qui demeurent harmonieux, ce qui m'a frappée aussi, c'est l'humour. L'humour. Voire parfois une ironie qui transperce un petit peu les apparences, hein, mais là encore pour mieux éprouver ce qui va résister à une sorte de décapage par l'écriture. Merci, oui, mais je suis hyper touchée par ces deux remarques. Si vous êtes, hein. Ouais. Non, mais c'est vraiment. C'est hyper touchant, c'est vraiment des tentatives que j'ai faites. Et c'est ce qui me passionne dans la littérature, c'est le silence. C'est ce qu'il y a entre les mots et cette substance qu'on n'arrive jamais à atteindre, quoi. Et qu'un livre agit. Et que ouais, j'avais envie de faire un livre qui soit actif et qui rende le lecteur et la lectrice active. Donc merci pour ça. D'autres questions. Jean, une question. Une remarque. J'aimais bien ces tableaux, ces fragments. J'ai vécu un peu comme un temps suspendu d'un retour à la maison, de la vie d'une famille avec ses regards en arrière. Et je me suis posé la question, en re-regardant un peu, quel rôle jouent les amis extérieurs où à la fin, la narratrice laisse ouverte où la route mène. Est-ce qu'on va vers une ordination? Est-ce qu'on va repartir de la maison parce que les bagages sont quand même mis dans la voiture, les amis attendent? Pour moi, le cadre m'a surpris à la deuxième lecture. Je voulais juste savoir, voilà, quel rôle joue ce cadre extérieur. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est... Le roman s'ouvre avec l'arrivée de la narratrice et se referme avec la sortie du kangou, du presbytère, qui s'en va sur la route. Et il y a deux choses, je pense. C'est que les amis de la narratrice apparaissent dans deux scènes, donc la première et la dernière. Et c'était la question, pour moi, d'écrire quand même que ça parte d'elle, déjà, que le livre s'ouvre avec elle, parce que c'est elle qui porte le livre et qui a voix au chapitre, quelque part. Et de laisser savoir que d'elle aussi on prend soin, quelque part. Parce que y a, chez Clara Dupont-Mono, s'adapter, il y a une très belle expression que je vais complètement mal dire, mais où elle dit qu'en gros il faut faire attention à ceux qui tiennent de vous, parce que c'est pas normal de tenir dans la tempête.
Et la narratrice, c'est celle qui tient tout le récit. Et il faut faire attention à elle aussi. Et ses amis sont celles, à chaque fois, qui la rattachent à la fois au monde extérieur, hors du huis clos, et à la vie, quelque part, et qui la tiennent, elle. Donc il y avait déjà ça. Et puis, la deuxième question de ce cadre, c'est que j'avais envie que ça ne termine pas dans le huis clos. Parce que j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui bouge, quand même. Voilà. Et que le grand-père, il ne peut pas vraiment bouger, parce que sa mémoire se dégrade et qu'il vieillit. Que le père se remet quand même un petit peu de son burn-out, mais que vraiment, il n'y a rien qui peut se passer, à part ce kangourou qui s'engage sur la route. Et pour moi, ça, c'était la sortie du huis clos, et c'était dire, on y va et on va raconter des histoires. Et j'ai pas dit si Nicolas va devenir pasteur ou non, parce que ça, c'est à chacun et chacune de se faire sa propre histoire. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui sort du huis clos, et c'est un peu d'espoir pour la fin, de mouvement. Donc la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il y aura une suite ? Celles qui appartiennent à la nuit. Restaurer une dernière question. Oui. Moi, j'ai une curiosité, c'est que vous avez parlé des éditions de minuit. Est-ce que vous êtes allé directement aux éditions de minuit ou est-ce que vous avez cheminé d'un éditeur à l'autre ? Moi, j'ai eu la chance de faire un master de création littéraire au Havre. Donc j'ai eu 2 ans où j'étais très accompagnée pour faire ce projet. Ça, c'était génial. Donc on m'a vraiment, vraiment aiguillée. Et je suis directement allée chez les éditions de minuit et chez POL. Et en fait, ça s'est fait très, très vite. Et je suis hyper contente parce que c'est une maison que j'admire et que j'aime énormément. Donc je suis très chanceuse, il faut le dire. Il y a un facteur chance énorme. Voilà, je vais vous libérer. Et il ne vous reste plus qu'à acheter le livre et à vous le dédicacer avant de quitter le quai Saint-Thomas. Merci encore à nous d'être venus ce soir pour cette présentation. Merci à vous. Ça, c'est important aussi, parce que sans vous, rien n'existe pas. Donc, c'est hyper collectif et c'est hyper important que vous soyez là. Voilà. Merci. Merci à toi.